Aujourd'hui, je vous présente le jeu Doctoloto, un jeu d'observation pour les enfants de 3 à 6 ans pour un joueur pour une partie d'environ 10 minutes. Pour jouer à Doctoloto, votre enfant aura besoin de vous pour mener la partie. Est-il un bon observateur? Pour démarrer la partie, laissez votre enfant choisir un des 3 plateaux qui se trouvent dans la boîte de jeu. Sur chaque plateau, on retrouve des animaux, le chien, le chat, la souris et le koala, occupés à différentes activités. Vous allez utiliser les jetons qui regroupent les personnages des plateaux et les décrire à votre enfant. Il doit observer son plateau et retrouver les personnages que vous lui décrivez. Les jetons sont posés face cachée. Tirez le premier. Et décrivez-le à votre enfant. Quel animal? De quelle couleur sont ses vêtements? Porte-t-il des lunettes ou un chapeau? Donc, on cherche un koala avec des lunettes vertes, un béret rose avec un pompon marron et un t-shirt jaune quadrillé. Votre enfant doit maintenant regarder son plateau et retrouver le personnage que vous lui avez décrit. S'il s'y trouve, il dit trouver et il doit le montrer du doigt. S'il n'y est pas, on pose de côté le jeton. On en tire une nouvelle et on recommence la description. Une souris avec des lunettes bleues, sans chapeau, avec un t-shirt rouge quadrillé. On n'a pas de chance, je ne le trouve pas non plus. Donc on passe, on en tire une nouvelle, une souris avec un t-shirt bleu et un chapeau en pointe orange. Trouvé! On vérifie, l'enfant pose le jeton devant lui et on continue comme ça à faire tous les jetons. Il a 12 animaux à trouver sur son plateau. Quand on a tiré tous les jetons et qu'il n'a pas trouvé encore les 12 animaux, on reprend ceux qui sont posés sur le côté et on l'aide à chercher l'animal manquant. Pour les plus jeunes, gardez le rôle du meneur et pour les enfants un petit peu plus grands, après quelques parties, laissez-lui faire les descriptions. Avec Doctoloto, les enfants développent leur attention et leur sens de l'observation. Retrouvez ce jeu à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous prochainement avec une nouvelle vidéo et un nouveau jeu.